Elle se nomme Seka Grasse. Elle était candidate au baccalauréat session 2023. Elle a trouvé la mort le mardi 4 juillet dernier en se rendant à son centre d'examen. Selon les informations recueillies, elle aurait été percutée par un camion Ben qui effectuait un dépassement à vive allure en plein centre-ville alors qu'elle se trouvait à l'arrière de la moto que conduisait son père. Le père s'en est sorti avec des blessures et nous explique ce qui s'est réellement passé. Ma fille est candidate au bac A. Le matin, quand je dois aller au service, elle doit partir. Je vais aller la déposer au centre. Et puis moi aussi, je continue à aller ici à la graine. Quand je l'ai prise derrière moi, vers arriver vers le feu, elle dit, papa, il y a un gros camion derrière nous. Au moment où je serai à droite, le camion a pris ma fille. La projeté sur le goudron. Moi aussi, je suis tombé, la moto est tombée sur mon pied. Le temps de lever, je regarde derrière, voici le sang de ma fille qui sort, qui coule. De ses narines, dans sa bouche. Un camion de sable. Dans la vie, la vitesse, quand même. Seka Grasse était élève au groupe scolaire Akonda de Ndoussi, en classe de terminale A2.